Et coucou tout le monde, c'est Crystal Moonlight encore une fois. Donc là, on est en direct du bazar de Mourland et on va acheter des Quarter Horse et des Shire avant que la promotion ne se termine parce que ça vaut vraiment le coup. Donc je suis en compagnie de mon petit cheval anniversaire. Je remercie sincèrement tous ceux qui étaient sur le live et tous ceux qui ont participé à son achat. Je vais choisir certains de ces chevaux, donc je vais prendre uniquement ceux dont j'avais réellement envie et avec lesquels j'avais hésité la première fois que j'en avais acheté. À part pour le quarter, parce que j'étais assez sûre de mon choix, pour le coup. Mais voilà, le bai me semble assez sympa. Ainsi que le gris un peu truité, etc. Donc on va voir ça. Je vais retirer mes équipements. Non, en fait. Je vais prendre l'un des chevaux, mais je vais très vite récupérer Moonlight parce que je dois finir son entraînement. Il est niveau 11. Alors, déjà, je compte prendre ces deux Quarter Horse parce qu'ils sont très très beaux. Et peut-être éventuellement celui-ci. Regardez un peu les autres quand même. Celui-ci est très joli aussi. Bah, je vais voir à la fin. On verra. Déjà, sur... je vais acheter celui-ci. C'est, si je me trompe pas, c'est le cheval de Scott. Bref, allons-y. Alors, je n'ai pas réfléchi au nom. Voilà, c'est encore un gros souci de ma part. Aléatoire, ça donne quoi? Des trucs horribles. Olive. Bah, Sienna, c'est pas mal en vrai. Mais il faut que ce soit une jument du coup, parce que ça fait très féminin. J'ai pas remarqué qu'il avait un œil clair et un œil foncé. Il est stylé. Donc il est vraiment blanc puisque les muqueuses sont roses. Ok, on y va. On prend celui-là. Tout ça, ce sera des chevaux à entraîner quand j'aurai... ni d'entraîner celui-ci déjà. Et je souhaitais prendre celui-là. Mais alors, est-ce que je vais pas changer d'avis et prendre celui qui est très particulier, très joli, très travaillé. J'adore en vrai. Franchement, si, je crois que je vais prendre celui-ci. Ça fait un petit peu bizarre, mais franchement, il est très sympa. Allez, c'est parti, on y va. C'est un petit clin d'œil à une de mes abonnées et coucou si tu te reconnais parce que je sais que il y a de fortes chances que tu regardes cette vidéo, donc coucou à toi, Lia Dreamy. Ah attendez, on le passe en jument du coup. Ok, déjà on a acheté deux quarters et c'est plutôt pas mal, du coup on en a quasiment deux pour le prix d'un presque. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous allons avoir un cheval gratuit hein, en quelque sorte avec ces promos. Alors, le Shire, je comptais acheter celui-ci qui est gris, gris-blanc, très très beau. Celui-là peut-être pas, j'hésite encore, mais ce qui est sûr c'est que je prendrai aussi celui-ci en gros. Quand les Shire sont sortis, j'ai choisi celui-là parce que... tout à fait, objectivement, c'est le plus beau de tous. Mais j'hésitais fortement avec celui-ci qui a des reflets magnifiques et des teintes vraiment superbes. Et celui-ci parce que je trouve les détails du nez, etc. vraiment magnifiques aussi. Déjà, je vais prendre celui-ci. Alors, un nom pour un cheval très très clair.
Oh mais tiens, Echo, on me l'a proposé pour on me l'a proposé pour mon cheval anniversaire et je trouve que c'est une bonne idée de l'appeler comme ça. C'est très mignon, Echo. Il a presque bien caressé le cheval, hein. On va le monter maintenant pour le plaisir. Oh, mais j'avais pas vu qu'à l'arrière il était vraiment pommelé en fait. Oh, il est vraiment trop magnifique ce cheval, hein. C'est qu'on voit qu'il est pas du tout blanc, mais pas du tout. Et donc on va aussi prendre celui-ci dont je rêve depuis un bon moment. Allez, Big Boy, ça lui va trop bien. Je vais le mettre en étalon. Déjà là, ça me fait quand même pas mal de chevaux à entraîner, on est d'accord là-dessus. Donc celui-ci, c'est le noir et blanc. Non, je vais pas pousser le truc parce que je vais en acheter aussi la prochaine fois. Et disons que les autres ne me plaisent pas autant que ceux que je viens d'acheter, donc bah ça sert à rien de. Est sympa quand même, hein. Ouais, non, on va attendre les prochaines promotions. Je pense que déjà 4 chevaux, c'est vraiment pas mal. Et bah ces races-là, j'en rachèterai pas avant qu'ils soient de nouveau en promotion de toute façon. La selle blanche, je la voulais, donc je l'achète aussi en shilling. Bon, et eh bien voilà, nous avons acheté 4 chevaux donc en promotion. Et bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ce n'était pas très long. Donc voilà, donc on va arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et bien sur ce, portez-vous bien. Plein de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.